parole invitée à participer au congrès de cette association qui fête son 20e anniversaire. Je suis heureux de participer à ce congrès qui est aussi dédié à la mémoire d'une chère collègue et amie, Madame Aïcha Abadi. J'ai toujours été en faveur des organisations non gouvernementales. Ces nouveaux acteurs de la politique internationale, dans la mesure où ils contribuent à la démocratisation de la globalisation. Je voudrais même que cette organisation, qui vont jouer un rôle à l'avenir, cette organisation continue à jouer ce rôle. À ce propos, je voudrais vous rappeler qu'ayant été le premier secrétaire général de la francophonie, élu au congrès de Hanoï, j'ai réussi à transformer la francophonie de l'agence française en une organisation internationale. L'avenir de la planète dépendra du rôle et du rayonnement des organisations internationales, de la troisième génération de ces organisations, mais aussi du rôle des nouvelles organisations non gouvernementales. L'Égypte doit jouer un rôle actif au sein de ces diverses organisations pour mieux participer aux nouveaux phénomènes de la globalisation et de la révolution technologique qui va modifier les règles normes du droit des relations internationales. Le thème de cette conférence, c'est la justice transitionnelle. Ce thème important pour l'Égypte qui vit en ce moment une période de transition. Bien plus, la nouvelle constitution de l'Égypte, adoptée en janvier 2014, prévoit que le prochain parlement doit être, dès sa première session, promulgué une loi sur la justice constitutionnelle. Et nous devons tous participer à cette révolution juridique qui est aussi importante que la révolution technologique que nous vivons. Encore une fois, merci.